Charlotte, comment vous avez trouvé la conférence aujourd'hui, cette semaine? Sincèrement, c'est excellent. Je crois que c'est l'une des meilleures conférences depuis la création de la GRF. Et tout le monde, c'est un consensus général. L'organisation a été superbe. Le Rwanda nous accueille incroyablement bien. Les installations sont parfaites et le contenu des conférences et le level des speakers est vraiment au-delà de nos attentes. Super. Et expliquez, s'il vous plaît, le rôle de OCP dans la transformation du secteur d'agriculture en Afrique. Alors, OCP est un producteur d'engrais phosphatés basé au Maroc. On est un des leaders mondiaux et on a des activités dans 10 pays en Afrique. Donc, certes, on travaille surtout dans notre domaine d'activité qui sont les engrais, mais on a très vite compris que travailler sur les engrais seulement n'était pas suffisant pour régler le problème de la transformation agricole. C'est tout un ensemble et tout est lié. D'une part, il faut des produits, des intrants de qualité, donc les engrais, les semences, mais également pouvoir proposer aux fermiers un accompagnement et un support system qui lui permet d'avoir accès à de la formation, à des recommandations qui sont spécifiques à la situation spécifiques à la santé de son sol et de la culture qu'il choisit de faire, mais également des accès à des financements. Le financement est un des problèmes les plus majeurs en Afrique. Aujourd'hui, le prix des engrais est extrêmement élevé comparé aux prix qui sont sur les marchés internationaux. Par exemple, sur le urée, on est à 160% plus cher au Sénégal, par exemple, pour prendre un pays de l'Afrique de l'Ouest, comparé au prix des marchés internationaux, ce qui est tout de même un paradoxe, parce que c'est en Afrique où on en a le plus besoin. Donc il y a tout un travail à faire pour, un, réduire le coût des engrais pour le fermier, mais aussi avoir un accès au financement. Les fermiers souvent n'ont pas de collatéral, donc ne sont pas solvables d'un point de vue, on va dire, bancaire classique. Donc il faut trouver des moyens innovants de pouvoir lui permettre d'avoir accès à des financements spécifiques qui, du coup, sur le long terme, vont sécuriser l'achat d'intrants de bonne qualité. Avec la formation, ça va maximiser les rendements. Et notre souhait, c'est qu'à terme, qu'il y ait une augmentation de revenus qui s'opère. Et je pense bien que maintenant, l'Afrique a bien compris que l'agriculture, c'est l'avenir pour le continent. Qu'est-ce qui manque pour bien réaliser leurs objectifs dans ce secteur? Je pense qu'on a passé la période de l'audit, des études, de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque. Je pense que là, il est temps d'agir et de vraiment se lancer. Quand je dis de se lancer, je parle et du secteur privé, et des institutions, et des gouvernements. On a besoin d'engagement, et on a besoin d'actions réelles et concrètes sur le terrain. Et on a besoin aussi de coordination entre les différents acteurs, surtout une approche plus chaîne de valeur, on va dire, pour qu'il y ait des transformations réelles et surtout pérennes et sustainable sur le long terme. Donc, il y a un vrai momentum. Je pense qu'on le sent, et avoir autant de personnes qui viennent à ce type de conférence, on est à plus de 2000 personnes, ça montre aussi qu'il y a un vrai engouement sur la question de la transformation agricole. On a tous le même objectif. Ce type de forum nous permet aussi de pouvoir échanger et de pouvoir nouer des partenariats stratégiques et surtout de pouvoir répondre à des besoins spécifiques. Donc, positive, ouais. Optimiste. Ouais. La tâche est importante, mais je pense qu'il y a beaucoup d'engagement aujourd'hui et je suis optimiste quant à l'avenir de notre continent. Oui, je pense aussi que vraiment, on a compris qu'il faut maintenant prendre tous les plans, toutes les stratégies et mettre ça en action. Exactement. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que votre entreprise OCP fait pour améliorer l'accessibilité et l'abordabilité de votre produit pour le fermier moyen ici en Afrique? Il y a plusieurs choses que nous faisons. Tout d'abord, il faut comprendre que le prix des engrais augmente souvent dû à des inefficiences le long de la chaîne logistique. Donc il y a tout un travail de faire d'optimisation, d'une part des coûts de transport. Je vous donne un exemple. On a fait une opération en Guinée, en coopération avec le gouvernement guinéen et le ministère de l'Agriculture, qui a permis d'augmenter par 5 la quantité d'engrais qu'ils utilisaient et de réduire en même temps la subvention de l'État qui était allouée. Donc c'était possible parce qu'il y a eu une meilleure
a bit of planning, okay. A bit of planning des assets logistiques, une mise à disposition des entrepôts de stockage du gouvernement, une réduction du coût de temps et une meilleure gestion de la flotte. Ce type de projet fait que ça réduit le coût des engrais. Il y a d'autres initiatives qu'on fait. On essaie de réduire le coût financier en mettant en place des programmes de de-risking qui font que le coût du coût de transaction est réduit. Et également, on essaie de faire des partenariats stratégiques avec des institutions de financement, de microfinance. Au Nigeria, par exemple, on a un partenariat avec la plus grande banque de microfinance, l'APO Finance, qui est spécifique et dédiée pour donner des crédits et des microcrédits à l'intention des agriculteurs. C'est ce type de projet que nous, on lance pour essayer de rendre le produit plus abordable et plus accessible. On a dédié une unité de production pour le continent. On a un vaste programme d'investissement de près de 8 milliards de dollars pour pouvoir justement augmenter la quantité de produits qui sont disponibles sur le marché. Et c'est un projet qui est en cours encore et qui continue. On a des projets au Nigeria, en Éthiopie notamment. Et on pense que ça permettra également de rendre les produits plus abordables, puis étant donné qu'ils seront plus accessibles. Voilà. Merci de m'avoir reçu. Merci.